Bonjour à tous, t'as vu, je suis tout blanc. Là, j'ai refoutu un dernier coup d'enduit sur mes murs et on se retrouve tout de suite à l'atelier. Alors non, Arnaud, c'est pas ton carbu. Le tien, je te le fais demain. Voilà, donc mon corps de carbu est démonté, je vais pouvoir passer en mode usinage. Bah, Tu vois? Ah, pour moi, la mission s'arrête ici. C'est beau. Oh, moi, je dis que c'est beau. Moi, ça me plaît. Hein? Tu connais? Voilà. Alors, aussi, je tiens à profiter de ce petit vlog pour te signaler que tu le sais certainement que Bordeaux, c'est dimanche, hein, samedi dimanche. S'il te faut du carburant, c'est demain dernier délai pour pouvoir te l'envoyer. Après, sachant que mon transporteur met 48 heures pour te le livrer, tu l'auras pas à temps sinon. Hein? Donc sache-le, s'il te faut du carburant, demain, faut que tu m'écrives ce soir. T'as vu, carrément, je suis pas allé loin pour le question-réponse, je suis derrière chez moi. Et voiture qui passe. Alors, Dimitri Emmett, ou Aimé, qui me dit salut Lionel, t'as pas peur pour ton drone quand tu passes au-dessus de la flotte qui tombe dedans? Si, énormément. Alors, j'ai Monster67X qui me demande ce que je pense du 94 Italkit. Alors, moi, j'en ai monté un, franchement, je trouve que ça va pas mal. Il y a beaucoup de boulot par contre dedans si tu veux l'optimiser au maximum, quoi. Alors, j'ai Michel Leriche qui me demande si j'ai déjà essayé les carbus à dépression, hein, type 24 IBA ou autre. À titre personnel, non, mais je sais que ça fonctionne correctement, quoi. Ça te permet de raccourcir l'admission énormément. Et donc, de prendre du régime. Alors, j'ai Souris City qui me dit qu'il a une question sur les chanfreins. Je sais pas trop ce que tu me dis, en fait. Mais oui, effectivement, il y a des cylindres qu'il faut nettoyer un peu, ou il faut un peu nettoyer les conduits de transfert, parce qu'ils sont pas super propres au niveau des débouchés dans le cylindre. Alors, peut-être que c'est de ça dont tu me parles. Bon, sans renvoi d'angle, c'est pas faisable, autant de toucher à rien. Alors j'ai Sam Gene qui me dit petite question, il a entendu parler des moteurs de temps, donc les Athéna hein, sur nos 50. Oui, ça existe, ça fonctionne apparemment. Après moi j'ai jamais testé, j'en ai jamais eu dans les mains, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais je sais que en enduro, là les KTM, tout ça, ça tourne déjà avec ça quoi. Enfin pas du Athéna mais avec de l'injection. Alors j'ai Pierrick Bamé qui me dit ça commence à manquer la mécanique. Ouais effectivement, bon bah j'imagine, hein, c'est pour celui qui est mordu de mécanique et qui est sur la chaîne à la base pour de la mécanique. C'est vrai que ça commence à devenir long. Promis, encore 15 jours à feu doux et après ça va reprendre sévèrement parce que bah, y a plein de choses à faire donc ça va reprendre énormément à l'atelier. Alors j'ai Guillaume de Pont-en-Broc qui me dit par contre en drone dans un miel c'est légal. Enfin, t'es en agglomération, oui ou non. Oui, alors là je suis juste dans les clous. En fait, je ne survole pas de public et je reste dans ma limite de 30 mètres de hauteur. C'est la limite, en fait, si tu veux, sur le DJI là, que j'ai moi. Quand tu allumes ta radio, en fait, ton drone, enfin ta radio, ton téléphone te notifie. Attention, ici, tu es dans telle zone, tu as le droit de voler à telle altitude, tu vois. C'est pour ça que cette marque-là, elle est bien, c'est que elle te précise, en fait, si tu as le droit de voler ou pas. Donc là, j'avais le droit de voler. Bon, après, tu vois, hein, je suis pas allé au-dessus de la route, justement. Je ne survole pas les gens, quoi. Et j'ai Philou56 qui me demande en fait derrière moi ce qu'on voit souvent si c'est un aquarium marin. Oui, c'est ça. Enfin, je vais vous le montrer vite fait pour celui que ça intéresse. On se retrouve sur Tournoi animaux. Tournoi animaux. Ah oui, c'est moi. Voilà, ici un discosoma. Tu vois qu'il y a pas mal d'algues parce que mon osmoseur est de mauvaise qualité. Alors là, c'est ce côté du bac. Alors sur le dessus, principalement du dur. Le bac dans son ensemble. Tu vois, t'as un gros euphilia sauvage au milieu. Tu vois que le corail dur blanchit un petit peu parce qu'il se fait agresser par le plateau qui est au-dessus, le bas du bac, avec du mou à 80%, mais un peu de dur, et le haut du bac est que du corail dur. Voilà les petits hauts, donc court vlog, mais vlog quand même. Alors là, mon carbu est parti hein, au colis cet après-midi, du carburant est parti au transporteur aussi. N'oubliez pas, si vous faut du carburant, dites-moi le soir. Là, je vais bouffer chez ma mère ce soir, donc je vais rentrer tard. Mais allez-y sur Tournoi Racing, Tournoi ou quoi, vous me le dites. On est lundi, donc point Tipeee. Alors là, au jour d'aujourd'hui, en ce jour, j'ai vu que je faisais la faute. Au jour d'aujourd'hui, ne veut rien dire. Donc à ce jour, là, comme c'est un nouveau mois qui redémarre, 7 tipeurs. Hein, merci à vous les tipeurs, merci les PayPalmi. Demain on se retrouvera certainement. En fait demain là je laisse sécher un peu mon ragréage. Donc demain moi je m'attaque à faire les carburateurs hein. Je sais que je dois envoyer un 35, j'ai un 30 à envoyer. Donc demain je vais essayer de m'atteler à faire du carburateur. Allez, en tout cas comme d'habitude je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée, ciao, bye.